Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. Lutte contre l'impunité. Le nouveau procureur général près la cour d'appel de Conakry réitère son engagement à faire poursuivre les infractions criminelles commises ces dernières années. Charles-Alphonse White a donné des instructions au parquet d'instance de son ressort de situer les responsabilités dans ces crimes. Et puis, dans le but d'améliorer le taux de réussite des Guinéens au CAMES, une session de formation est organisée à l'intention des candidats des techniques de rédaction d'articles sont enseignées pour faciliter la soumission des dossiers. Enfin, sport, football, le Sili fera sa deuxième sortie demain face au Lion de la Teranga à quelques heures de la rencontre contre l'ogre sénégalais. Comment la bande Anabi Keita pourrait-elle aborder ce match et créer la surprise face à un grandissime favori? Quelques éléments de réponse dans un instant. Encore une fois, bonsoir à tous. Le Conseil ordinaire des ministres est tenu ce jeudi sous la présidence du chef de l'État. Il a été question notamment des grands défis qui attendent le gouvernement 2022, notamment la moralisation de la gestion publique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le début des actions judiciaires contre les crimes économiques. Commentaire Ansuman Toumani Camara. Cette deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de 2022 s'est tenue sous l'autorité du président de la transition et avec la présence des chefs de département ministériel. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment les orientations du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Il était question de la moralisation de la gestion publique. La première personnalité de notre République n'a pas manqué de le rappeler qu'il est important que nous puissions prendre conscience de l'attente des Guinéens. Le chantier est immense et il est important que nous commencions à poser des actes qui ont des résultats et qui se fassent comprendre et qui se fassent savoir auprès de la population. L'autre axe aussi dont il a été question, c'est notamment la question énergie. Le département de tutelle engage un certain nombre de processus qui vont être établis très bientôt. Nous avons parlé aussi du séminaire gouvernemental qui aura bientôt lieu. Nous aurons à nous arrimer sur l'ensemble des opérations gouvernementales, avoir ensemble nos plans d'action 2022. 2022 est une année déterminante de la transition guinéenne. Les attentes sont nombreuses quant à la matérialisation des différentes annonces et projets de transformation positive de la vie nationale. Nous avons trois grands défis que nous voulons relever conformément aux instructions du président de la République. Le premier, c'était la réorganisation de la justice elle-même, en commençant par l'installation du Conseil supérieur de la magistrature, qu'il préside lui-même. Cela est fait. Le deuxième, c'était que la justice s'occupe enfin de façon réelle et transparente de la moralisation de la gestion de nos ressources et de nos biens. Et enfin, c'est de travailler aussi sur le 28 septembre. Nous espérons que ces juridictions qui sont mises en place seront à la hauteur. Parce que dans ce pays, on n'a jamais puni, on n'a jamais réellement jugé. Et quand le voleur n'est pas jugé, c'est de l'injustice par rapport à celui qui a été volé. Et celui qui est volé, c'est le peuple de Guinée. L'atteinte de cet objectif fait appel au renforcement des synergies entre tous les domaines d'action des pouvoirs publics. Le chef du gouvernement tient à des résultats selon les feuilles de route définies pour chaque département ministériel. Maintenant, il faut agir. Agir pour transformer ce pays vers sa refondation. La refondation de l'État avec sa justice, la refondation de notre système politique, très bientôt mettre en place tous les instruments pour cette transformation vers la Guinée que nous voulons. Mais aussi répondre aux défis immédiats de notre économie. Et les défis, il y en a beaucoup. Défis de ressources, défis de malgestion, défis d'organisation nouvelle, défis d'esprit nouveau. Et c'est à cela que nous nous attelons. Dans les semaines qui viennent, vous allez voir le déroulement du plan d'action que nous avons mis en place. Et je l'espère que c'est le plan d'action que le peuple de Guinée attend de nous. Le contrôle de l'action gouvernementale avec la redevabilité au peuple comme principe de gestion. Les autorités de la transition
se montre ainsi déterminé à bâtir une Guinée nouvelle avec des valeurs qui imposent le changement à tous les niveaux. Comme annoncé dans les titres, lutte contre l'impunité, le nouveau procureur général après la cour d'appel de Conakry réitère son engagement à faire poursuivre des infractions criminelles commises ces dernières années. Charles Alphonse Wright a donné des instructions aux différents parquets d'instance de son ressort de situer toutes les responsabilités dans ces crimes. Tierno Younousaba. Les poursuites concernent des infractions à caractère criminel. Les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Conakry sont invitées à ouvrir des enquêtes sur les crimes commis les 10 dernières années. Le parquet général tient à l'application de la loi pénale. À monsieur les procureurs de la République, frères et juridictions de première instance du ressort judiciaire de la Cour d'appel de Conakry, dans le cadre de l'application stricte de la loi pénale sur toute l'étendue du ressort judiciaire de la Cour d'appel de Conakry, et ce, en application des dispositions de l'article 42 du Code de procédure pénale, je vous instruis, en vos qualités respectives de représentants du ministère public, d'engager sans délai ou faire engager les poursuites judiciaires ou de saisir la juridiction ou les juridictions compétentes autour des faits présumés commis pendant la période allant de 2010 à 2020 par des personnes qui restent à identifier par la procédure d'appel à témoins ou d'audition des victimes directes ou indirectes, des réquisitions judiciaires auprès des établissements publics aux fins de communication de tous les rapports d'autopsie, balistique ou tout autre renseignement sans aucune forme d'opposition de secret professionnel conformément aux règles de procédure dans la matière. Le procureur général mentionne un certain nombre d'infractions. Les parquets concernés par cette communication doivent travailler à la manifestation de la vérité dans des dossiers comme 1. Aux atteintes volontaires et involontaires à la vie. 2. Aux atteintes à la personne constituées par des disparitions forcées. 3. Aux atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne. 4. Aux atteintes involontaires à l'intégrité physique, aux agressions sexuelles et attentats à la pudeur. 5. Aux atteintes aux libertés, vol aggravé, incendie volontaire, l'usage d'explosifs, pillage, faux en écriture publique ou authentique. 6. Aux atteintes à l'autorité de l'État, aux abus d'autorité commis contre les particuliers et aux abus dirigés contre l'administration et aux atteintes à l'action de la justice. Cette déclaration s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'impunité comme le souhaitent les nouvelles autorités. Le parquet général mise sur l'ouverture prochaine des audiences criminelles dans ces affaires. Lancement des opérations de déguerpissement des emprises publiques dans la commune de Ratsuma. Le coup d'envoi des opérations a été donné au rond-point de Hamdallaï. Il a connu une forte mobilisation des élus locaux de Ratsuma. Cheikh Sanoussi Sankon. Un mois de sensibilisation des citoyens occupant des emprises des voies publiques a précédé cette vaste opération de déguerpissement. La campagne est pilotée par le maire par intérim de la commune de Ratsuma. Le chef section contrôle urbain et construction de la commune explique le schéma de l'opération. Le gouvernement qui a souhaité qu'on débarrasse les voies publiques des encombrants physiques. Aujourd'hui, nous, à Ratsuma, nous avons commencé les opérations de déguerpissement au niveau de notre commune. La campagne s'étendra sur 5 jours. C'est du lundi au samedi. Nous allons d'abord commencer par la route Le Prince, essayer de débarrasser les deux emprises, et après aller jusqu'à la limite de Dubreka à la T8, puis revenir prendre la route, le littoral. Parce que c'est toute cette route qui est beaucoup plus encombrée. Parti du rond-point de Hamdallaï, le déguerpissement se poursuivra sur l'axe de Bambeto jusqu'au rond-point de Sonfonia.
d'autres axes, notamment ceux de Yataya, Kobaya, Lambagni, Kaporo, Ratoma et Taouya, sont aussi concernés par l'opération. Éducation dans le but d'améliorer le taux de réussite des Guinéens au CAMES. Une session de formation est organisée à l'intention des candidats. Des techniques de rédaction d'articles sont enseignées pour faciliter la soumission des dossiers. Algassi Mouba, Foudema Moudoussouma. Ils sont tous enseignants, chercheurs, candidats au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES. Ici, avec des experts guinéens, ces candidats préparent leur dossier de candidature. L'exercice permet de réunir les atouts techniques de rédaction d'articles, une manière de faciliter la soumission des dossiers au CAMES. Nous avons des experts qui connaissent très bien les procédures, les critères du CAMES, qui vont les aider à faire ce travail. Déjà hier, un exposé sur les critères de procédure a été projeté et aujourd'hui, les travaux de groupe vont continuer. Cet espace de partage d'expériences et de préparation est à sa troisième édition. L'idée est d'améliorer le taux de réussite des candidats guinéens au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. La promotion commence par le grade de maître assistant. Le grade de maître assistant, tout d'abord, il faut avoir le doctorat. Après le doctorat, il y a un nombre d'articles publiés dans des journaux reconnus qui est exigé. Et ça, ça dépend des différents domaines. Nous sommes très satisfaits du nombre de candidats par rapport à cette session. Parce qu'aujourd'hui, notre souci au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir des enseignants-chercheurs qualifiés. Et nous savons que cet exercice nous permettra d'avoir des enseignants qualifiés pour soutenir notre système. L'organisation de cet atelier de préparation des candidats au CAMES vise à accompagner les enseignants-chercheurs dans l'atteinte du grade de professeur du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES. Le concept est nouveau. Sa toute première sortie, il choisit les campus universitaires pour présenter son ouvrage intitulé « Destin forgé ». Abdoulaye Amissouma veut ainsi rassurer les étudiants qu'avec la volonté, on peut soulever des montagnes. Première étape, l'Université Générale Lansana a compté de son fournir. Makeme Donzo, Sadou Bari. Le nom est un début de négociation. Dans cet ouvrage de 193 pages, Abdoulaye Amissouma explique aux étudiants que la difficulté de la vie ne doit pas être un frein à la réalisation du destin. Car pour l'auteur, chacun contribue à la rédaction de son parcours, d'où le titre « Le destin forgé ». Vous n'êtes pas en compétition avec la mort. Un jeune ne dort pas beaucoup, se repose. Il faut que vous compreniez, si vous réussissez, c'est vous. L'échec aussi, c'est vous. Tout dépend de vous. Quand vous battez avec les deux mains, il y aura toujours une main invisible qui sera tendue. C'est ce qu'on appelle la main de Dieu. Que celui qui ne travaille pas lorsqu'il faut travailler, tu ne vas pas te reposer lorsqu'il faut se reposer. Parce que l'énergie de la jeunesse doit être utilisée, pas gaspillée. Également, les réseaux sociaux doivent comprendre que c'est un endroit pour faire de l'argent ou de s'éduquer. Ce n'est pas un endroit où il faut distribuer au monde entier ton mauvais caractère. Choisir des universités de la capitale pour véhiculer des messages pour le concept du développement personnel n'est pas fortuit. Pour les organisateurs, l'université est la limite entre la vie éducative et celle lucrative. Un sujet comme le développement personnel, il n'y a pas mieux que de rencontrer des élèves, des étudiants pour pouvoir en débattre. Vous savez, moi je me suis mise devant cette initiative parce que tout simplement, nous tenons à respecter la promesse Salek qui n'est autre que de faire la promotion de la lecture dans les écoles et dans les universités, mais aussi de faire la promotion des auteurs et de leurs ouvrages. C'est un honneur pour nous aujourd'hui. Je suis convaincu que chacun de nous a su profit de tout ce qui a été débattu par les conférenciers. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse constitue le moteur du développement de tout un pays. Dans le destin forgé d'Abdoulaye, des thématiques sur l'effort individuel et la confiance en soi-même sont développées. Cet entrepreneur et écrivain partage l'adage qui dit que la chance vient au bout de l'effort.
Je vous amène cette fois-ci à Condel, l'industrie située dans la commune rurale de Ditine. Condel dispose désormais d'une école élémentaire. Elle est l'œuvre de la fondation Hadia Kisoba. Elle ira à l'école. Une manière pour cette dernière de contribuer à l'amélioration des conditions d'études de la petite enfance dans cette localité reculée de Dalaba. Younoussa Tawel Kamara, de retour de Condel. Il est 7 heures à Condel, un district de la commune rurale de Ditine, préfecture de Dalaba. Tous les jours, pour se rendre à l'école, les élèves de ce village parcourent de longues distances à pied ou à vélo. Aujourd'hui, cette souffrance devient un lointain souvenir pour ces élèves qui bénéficient d'une nouvelle école élémentaire. Une infrastructure construite et entièrement équipée par une fille du terroir. Si notre mission principale et première est de scolariser les jeunes filles en Guinée, nous avons aussi pour objectif de consolider et améliorer l'éducation des enfants en zone rurale. 105 élèves du primaire du village de Condel et ses environs fréquentent cet établissement, leur permettant d'être dans un environnement proche de chez eux, sûr et favorable. J'avoue que par la qualité, le niveau technique des installations, c'est rarissime de voir en zone rurale de telles réalisations. La nouvelle école élémentaire de Condel est entièrement clôturée pour mieux sécuriser cet établissement scolaire. Et la particularité de ce temple du savoir, c'est un élève, un table-banc dans toutes les salles de classe. Parents d'élèves, encadreurs et autorités locales se réjouissent de cette assistance en faveur des enfants de la contrée. Construire une école, c'est fermer beaucoup de prisons. Nous remercions très sincèrement la fondatrice et sa famille et tous ses amis. Nous ferons tout pour l'entretien de ce bijou que vous nous avez offert. Nous manquons de mots pour exprimer sans réserve notre joie pour la construction, l'équipement et la mise en service de ce bijou qui, si hier était un rêve, est devenu aujourd'hui une réalité. Pour encourager davantage les encadreurs de l'école, la donatrice offre également des ordinateurs à la direction pour améliorer la qualité de l'enseignement et des vêtements pour les élèves de Condel. On reste toujours à l'élémentaire où des kits sanitaires et scolaires sont offerts aux meilleurs élèves de l'école primaire de Bonfiport. C'est une action du Cercle féminin de Guinée pilotée par Aminata Kourouma. L'idée est d'appuyer les encadreurs de cette école à la lutte contre le Covid-19, mais également de créer l'émulation au sein de cet établissement. Mamadou Saliouba. Créée en 1962, l'école primaire de Bonfi fait partie des trois établissements publics que compte ce quartier populaire de la commune de Matama. La vétusté et la précarité de l'établissement ont attiré l'attention du cercle féminin de Guinée. Les membres de la structure offrent des kits sanitaires et scolaires aux meilleurs élèves de l'établissement pour lutter contre le Covid-19 et créer l'émulation au sein de l'établissement. On a ciblé cette école qui est dans un quartier défavorisé, si on peut le dire ainsi. Et on a choisi les 10 premiers de chaque classe pour leur remettre des cahiers, des sacs. Et comme on est en période de Covid, nous avons aussi apporté des seaux et des masques qu'on va donner aux enfants. Ceci, c'est pour encourager les enfants surtout à pouvoir mieux travailler durant l'année scolaire. L'école primaire de Bonfiport compte un effectif de 830 élèves, dont 485 filles, pour seulement 13 salles de classe. Le geste du cercle féminin réjouit élèves et encadreurs de l'établissement. Cette école regorge pas mal, n'est-ce pas, des enfants pauvres. Et si une telle ONG pense à notre école, cette localité, pour venir, n'est-ce pas, faire ce geste, franchement, ça sera un réconfort moral. Je vous remercie bien de nous donner des cadeaux parce que j'ai été première de la classe. Je suis contente, même si mon frère qui est là, il a gagné, il était premier, il a eu le sac. J'encourage ma mère, chaque jour, il nous dit révise. Maintenant, j'ai vu le bénéfice qui doit nous donner l'encouragement et vous encourager l'école de Bonfiport. À travers cette action, le Cercle féminin de Guinée compte matérialiser son ambition de servir la communauté.
Dans l'actualité également, à Daramagnaki, Tariwoyo, Konso, Tami, préfecture de Télémélé, les infrastructures sociales de base changent l'image de ces différentes sous-préfectures. La plupart d'entre elles est l'œuvre de certaines compagnies minières. Cependant, le désenclavement reste la principale préoccupation des populations locales. Explication Alpha Siagaba, Moussa Bangoura. À plus de 140 km de la commune urbaine de Télémélé, nous voici à Daramagnaki, la plus grande sous-préfecture de Télémélé. Dans la localité, opèrent près de 10 sociétés minières. Sur place, plusieurs infrastructures sociales de base sont rénovées grâce aux compagnies minières. Mais ce n'est pas tout. Et les infrastructures qui sont sur place ici, c'est avec une partie, les redevances superficielles, et en même temps des micro-projets de la CBG, et aussi par nos communautés qui sont hors de chez nous, qui mobilisent leurs ressources, qui donnent une partie de leurs dépenses pour améliorer les conditions de vie de nos populations. L'implantation des compagnies minières dans la localité comporte aussi des effets indésirables. Un peu partout, la nature porte des traces de l'exploitation minière. Le non-respect du contenu local est aussi un problème dans la localité. Nous avons voulu qu'il y ait un cadre de concertation entre ces sociétés minières et nous. Et nos citoyens qui sont impactés sont souvent victimes de mauvaises compenses, ou mieux que le contenu local n'est pas respecté. Parce que ce que nous vivons présentement au niveau de Daramagnaki, c'est très paradoxal. Parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas les fonds FODEL et c'est payé par les sociétés minières. Dans ces localités enclavées, les populations fondent espoir sur le CNRD pour le reprofilage des pistes intersous-préfectorales. Sensible au quotidien des populations, le préfet de Télémélé exhorte les citoyens de Daramagnaki à la culture de la non-violence. Avec l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République, le colonel Doumbouya, le chef de l'État, nous allons trouver réellement la solution pour pouvoir accompagner la population à la base. Il y a des préoccupations dans certaines sociétés qui abritent les mines au niveau du contenu local. Et c'est là aussi que nous avons eu l'occasion de discuter avec nos partenaires au développement et ils ont donné l'assurance de respecter ces contenus locaux avec les collectivités. De Daramagnaki à Tariwoyi, en passant par la sous-préfecture de Konso Tami, le préfet de Télémélé a véhiculé des messages de paix et d'unité nationale. Sport football, avant le choc de la deuxième journée dans la poule B entre Lyon et Éléphants, les deux adversaires en 2006, se retrouvent aujourd'hui comme entraîneur ce derby des voisins décisifs pour la qualification. Aliou Cissé Kabadiaoura était devant la presse pour la traditionnelle conférence de presse avant match. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux, Alia Alama Bangoura Kabafoudi. Le derby Guinée-Sénégal est officiellement lancé depuis ce matin au compte de la deuxième journée de la poule B de la CAN ici à Bafoussam. Les entraîneurs Kabadiaoura et Aliou Cissé ont lancé les hostilités à travers la traditionnelle conférence de presse. La situation sanitaire au sein des groupes est évoquée. Si le Guinéen se félicite d'avoir presque tout l'effectif au complet, le Sénégalais lui s'inquiète pour de nombreux cas positifs de nouveau enregistrés dans la tanière. Je le disais encore compliqué, voilà, parce que il n'y a pas que Bamba, même si c'est effectivement il n'y a que lui qui reste. C'est très compliqué pour les garçons. Vous savez, hier on a fait les tests à 10h et je peux vous garantir de 10h jusqu'à 14h30 avant qu'on aille à l'entraînement, il y a une sorte de psychose où vous êtes en attente en vous disant que la sentence va tomber, qui sera le tour, à qui va être encore confiné, qui va être encore malade. C'est des situations très compliquées pour le football aujourd'hui. Après l'infirmerie, place désormais au jeu. Il est d'autant plus important que le vainqueur sera d'office qualifié au second tour et que le perdant tentera de se rattraper lors du troisième match prochain. Pour se mettre à l'abri, Kabadiaoura veut le faire dès à présent avec la volonté et l'engagement du groupe. C'est le deuxième match, mais c'est le gros match. C'est le favori du groupe. Mais nous, on va se présenter en ambassadeur pour essayer de faire la meilleure perf possible. Et voilà, donc la meilleure perf, c'est prendre un point ou voire 3 points. Car c'est un match super important. Avant ce derby, il faut 3 points pour se qualifier, pour sortir des phases de poule. Donc on va aller avec cette ambition pour essayer
amener la victoire ou le nul. 10 rencontres se sont déroulées pendant ces 20 dernières années entre la Guinée et le Sénégal, dont 6 victoires sénégalaises contre 3 pour la Guinée et un match nul. Mais la plus remarquable est celle du 3 février 2006. La Guinée, au meilleur de sa forme, avait perdu 2-3 en quart de finale de la CAN Alexandrie. Le Sili fera donc sa deuxième sortie demain face au Lion de la Tiranga, quelques heures avant la rencontre contre l'ogre sénégalais. Comment la bande Naby Keita pourrait-elle aborder ce match et créer la surprise face à un grandissime favori? Même si sur papier les Lions sont favoris, le Sili a ses arguments à faire valoir. Mamadou Alpha Baldé. À moins de 24 heures du match Guinée-Sénégal, le vainqueur de ce derby ouest-africain se qualifierait directement pour le prochain tour de la compétition. Après avoir pris les 3 points lors de son premier match, le Sili doit se surpasser face à l'un des plus gros morceaux de cette 33e édition. Le schéma tactique n'est pas le plus important, c'est l'animation qui va se passer au sein du schéma tactique. C'est ce qui sera le plus important. Il peut jouer à 3 derrière, il peut jouer à 4 derrière. Mais s'il met une animation de jeu qui n'est pas respectée par les joueurs, et ça va créer des problèmes parce que à ce stade de la compétition, il faut courir. Et un jeu beaucoup plus arrêté, ça va créer des problèmes au Sili. Parce que le Sénégal que j'ai vu après le premier match, c'est une équipe athlétique et les joueurs sont physiquement bons. Pour de nombreux observateurs et amoureux du foot, un derby ne se joue pas mais se gagne. Le mental et la détermination seront les points clés de la rencontre entre les coéquipiers de Sadio Mané et de Naby Keita. Oser, il faut être agressif, il faut aller, il faut appuyer, il faut être serein. Il ne faut pas mettre en tête que le Sénégal est favori. Il faut penser à l'histoire du football guinéen. Nous sommes une nation de football. Il faut qu'on se mette ça dans la tête pour qu'on puisse essayer d'aller au bout et décrocher la victoire. Et on a des bons joueurs, mais ce qu'il faut surtout, c'est la détermination, l'envie de défendre les couleurs de la nation, à l'image de l'équipe du Nigeria, du Mali. La dernière confrontation entre le Sili national et les Lions de la Teranga date de 2006. Le match avait été remporté par les Lions de la Teranga. Au Cameroun, le Sili compte bien soigner ses statistiques et faire bonne figure face à l'un des plus grands favoris de la compétition. Justement, après la victoire des Poulains de Kabadiaoura contre le Malawi, l'engouement revient peu à peu chez les supporters du 11 national. Réaction croisée de certains dans les rues de Conakry. Ils sont au micro de notre reporter Mamadou Alpha Baldé. Nous aimerions que demain aussi, le Sili national fait de plus, qu'il gagne de la plus belle manière, 2-0, 3-0, c'est juste ça. Oh, ce qu'on doit améliorer dans les coupes, surtout la rapidité et ce qui s'ensuit pour gagner le match. Il est question de faire un petit réglage pour que vraiment on puisse avoir le résultat escompté. La défense tout comme l'axe central et puis l'offensive aussi. Donc l'entraîneur et l'équipe technique vraiment doivent revoir le système vraiment afin d'être à la hauteur du match. Et j'espère que le Sili va répondre valablement et la victoire sera de notre côté. Le score, bon, je peux prédire 2-2 en faveur de la Guinée. La Guinée va gagner. Il va jouer très bien. Après, il va envoyer coupe ici. Demain, c'est une bonne match, très jolie alors. Parce que le match passé premier d'ouverture, on a eu le courage. Mais le problème de la Guinée, c'est la finition. Il n'y a pas de finition, il n'y a pas de défense. Mais c'est là le problème. Mais au cas contre, Inch'Allah, on gagnera s'il plaît à Allah. Pour être plus complet sur ce dossier, toujours fidèle à sa vision de servir les Guinéens, le président de la transition, son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, à travers l'Office guinéen de publicité OGP, offre à la population de Conakry la possibilité de suivre les matchs de la CAN Cameroun 2022 sur des écrans géants installés sur des places publiques de la capitale. C'est signé Mandia Sidibé, directeur général de l'OGP. Enfin, douleur et
consternation le peuple de Guinée en deuil. Hadja Aminata Touré, fille du premier président de la Guinée indépendante et mairesse de Kaloum, l'une des plus importantes communes de la capitale, nous a quittés hier des suites de maladie, symbole d'humilité et de simplicité pour une fille de président. Depuis l'annonce de sa disparition, les marques de compassion nous proviennent de partout dans le monde. Images et commentaires, Moussa Bangoura, Al-Khaliko Belekita. Nous passerons à l'acte, nous allons commencer à mettre les pavés. Et ensuite, nous allons aménager les espaces verts, parce qu'une ville sans espace vert est une ville morte. En véritable réformatrice, Aminata Touré avait tenu sa promesse avant de tirer sa révérence. Aujourd'hui, son projet de dalette contribue à changer l'image de la capitale à la cité ministérielle, comme pour témoigner leur affection à l'ancienne première autorité communale de Kaloum. Amis, connaissances et proches sont fortement mobilisés à la maison mortuaire, au siège du PDG RDA, le feu président Ahmed Sékou Touré, pour les condoléances à la famille éplorée. Nous rendons grâce à Dieu, nous le remercions de nous avoir montré ce temps et remercions le peuple de Guinée pour sa grande mobilisation autour de nous, pour le décès de notre regrettée sœur Hadja Aminata Touré. Ma sœur a été une personne entière, humble, serviable, unificatrice de toute la famille, qui a porté haut le flambeau de son papa. On l'attendait pour ensemble qu'on aille remercier le président de la République pour le geste magnanime qu'il a eu à faire. Mais malheureusement, c'est sa dépouille qui verra l'aéroport international. Au nom de la famille politique, au nom de la famille biologique, nos remerciements les plus sincères au président de la République, commandant en chef des forces armées. Au gouvernorat de Conakry et à la mairie de Kaloum, c'est la désolation. Les drapeaux sont en berne. Tous sont affligés par la perte de Hadja Aminata Touré, une collaboratrice attentionnée, tournée vers la gestion basée sur l'obligation de résultat. Ces projets, c'est-à-dire soutenir la jeunesse, aider les femmes dans leur situation de ménage. Donc c'est une perte pour la commune de Kaloum, une perte pour nous tous. C'est un coup très dur pour l'ensemble des communes de Conakry. Elle est vice-présidente de l'association des communes de Guinée. Donc, elle représente toutes les communes de Guinée. Donc, c'est un coup très dur pour nous. Nous retenons de celle-là une femme très âme, joyeuse, respectueuse, battante. Elle représentait pour nous, le gouvernorat, un grand espoir dans la gestion décentralisée. Elle avait le souci de se surpasser dans la gestion des collectivités et elle avait beaucoup d'ambition. Fille du père de l'indépendance de la République de Guinée, Hadja Aminata Touré était juriste de formation, entrepreneur en construction et femme politique. Elle est décédée ce mercredi 12 janvier des suites de maladie au Maroc. L'arrivée de la dépouille mortelle et les obsèques de la mère de Kaloum feront l'objet d'un communiqué officiel. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ces 4 jours d'affilée. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer et à vous présenter ces différentes éditions d'informations. À bientôt, Inch'Allah.